ton implication sur ce territoire. À chaque fois que je croise des gens, ils me disent « Mais Gisèle, il me semble un peu illisible, on fait d'autres choix. » En tout cas, nous sommes toujours socialistes, nous le resterons, et sur les valeurs que nous portons depuis toujours. Il y a des lignes de fracture assez importantes sur certains sujets comme la laïcité, le communautarisme, l'Europe, les politiques internationales, l'appréhension du monde de l'entreprise. Je fais partie de cette gauche de Carole Helga où nous sommes à la fois pour les entreprises et pour les salariés. Donc nous sommes une gauche de progrès et une gauche qui veut faire évoluer la société dans l'apaisement et pas dans un discours haineux. Pour qu'il y ait un député de gauche sur cette circonscription, eh bien, il faut voter David et Carole dès le premier tour. C'est une union qui a un programme clair où on est en capacité de s'engager auprès de nos concitoyens. Et moi, je défends l'union de la gauche. Je pense en effet que notre avenir, ce que nous demandent nos concitoyens, c'est une gauche unie, mais c'est une gauche unie de façon durable. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, les conditions de la NUPES ne sont pas satisfaisantes. Quand on écoute l'électorat et nos concitoyens qui nous ont demandé depuis avant les présidentielles une union de la gauche pour y aller justement, pour être en rupture avec ce qui se passe actuellement, voilà, je pense que c'est une erreur qui a été commise. On espère qu'elle ne nous coûtera pas la circonscription.